travailler avec la musique, ça a été pour moi quelque chose de très fort. La force du voyage artistique, elle est dans la découverte des matériaux qui nous fabriquent, quoi. Moi, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour j'allais travailler et aimer travailler sur un compositeur comme Monteverdi, ou le comprendre, ou me sentir aussi proche. Ce qui est très séduisant dans cette époque de l'opéra, c'est le fait qu'on est au début d'un style et que, effectivement, les choses ne sont pas figées et définies. Il n'y a pas de règles encore. Le metteur en scène et le chef d'orchestre, évidemment, recherchent une forme qui soit suffisamment fluide pour y mettre beaucoup d'eux-mêmes. Là, mais c'était intéressant tout d'un coup ce que tu as proposé là, tu vois. Ouais. Il s'auto-alimente et il est là en train de se dire putain, je trouvais ça vachement bien. D'accord. Et n'appuie pas le bras. Oui. Et plus court, si court. Là. Ce que je trouve qui est très intéressant avec Jérôme, c'est qu'il associe vraiment le travail de la scène, puisqu'il a été chanteur, le travail de la scène, du jeu, avec le travail de la musique. Che bello, qualcosa fedele ad Ulisse si arrende. E si imbrocca ad Ulisse. No, pardon, je pousse pas. C'est une pensée. Les pensées restent jamais chez vous. Vous les, nous les ouais, donnez. Ouais, donne-la plus, du coup. D'accord. Mais toi, sans faire. Mais. D'un seul coup, ça, c'est une évidence, quoi. Ah, che bello, qualcosa fedele ad Ulisse si arrende. C'est vrai que dans le travail qu'on a fait avec Christophe, on a beaucoup insisté sur cet aspect d'interprétation et de prise de risque de la part des chanteurs. Non vi giunge il polso. Plus dans ton corps. Arriva. Voilà. Forza con il potere, anche il desiderio s'ammorza. Le compositeur écrit de la musique en fonction d'un texte, il a un point de vue dramaturgique là-dessus. Et donc, si le chanteur n'a pas ce point de vue dramaturgique, il ne va pas aller jusqu'au bout du projet du compositeur. La scénographie, ce qu'on avait à traiter, c'était le palais que Christophe voyait comme quelque chose d'endormi, de figé, le palais de la Belle au bois dormant. Moi, je me suis dit que c'était pas mal de le recadrer, de le séquencer, c'est-à-dire d'avoir par moment une petite version du palais, comme un zoom sur l'endroit du pouvoir qui est le trône de Pénélope, et à d'autres moments, une ouverture frontale sur le palais, un palais en temple. Puissance artistique de ce voyage, c'est d'arriver à essayer de découvrir ensemble quel était le projet du compositeur lorsque tout d'un coup il a décidé
d'inscrire cette musique à partir de ce texte-là. Et là, ça devient une aventure extraordinaire, puisque du coup, on voit bien que le génie, c'est le compositeur. Ok, tu peux appuyer. Ah non, il n'est pas déréglé. Hop. C'est passé. Il est bon. Ah oui, c'est un petit peu de temps. Bon. Ok. Faut pas que ça me chatouille le nez, hein. Je vais éternuer sans ça. Mais il a des coups là quand même. Ça va aller, je crois. 5 minutes normalement. C'est là-dessus aussi où on se retrouve avec Jérôme. L'opéra est éminemment populaire, il devrait l'être encore plus, parce que c'est une histoire qu'on raconte et une histoire chantée. L'idée étant d'arriver à ce que le plus grand nombre arrive à comprendre les enjeux de ces histoires-là et du coup d'entendre mieux la musique. Puisque le grand dramaturge de l'histoire, ça reste le compositeur. Dolce sereno e misura il pareno.